Hey what's up, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo tranquillement, on va faire une séance. Je me suis levé assez tôt le matin pour aller à la salle, petit déj, simple hein. Un petit café, un petit jus d'orange. Ouais ça c'est un plus. Deux douapes chocolat au lait et ça c'est la base. Ça c'est un bon truc, ça c'est bien ça. Oh, aujourd'hui j'ai la haine, j'ai le seum. Je viens d'apprendre la nouvelle hier que les salles de sport allaient potentiellement fermer. Et j'ai trop la haine, j'ai vraiment trop la haine. Et je viens de faire une vidéo en disant ouais, je vais reprendre la salle fort, je vais t'emmener avec moi et tout, on va faire du sol. Et là j'apprends que les salles ferment, tu vois, de base, aujourd'hui et demain. Un jour du week-end, je comptais me reposer parce que j'avais très forcé à la salle et j'avais mal à la tête et tout, et je pense que ça a dû taper dans mon système nerveux mes séances. Mais là, je peux pas me reposer, c'est pas possible. Les salles vont fermer, je dois pousser, je dois profiter. Donc aujourd'hui, on va faire une petite séance, travailler un peu le dos, travailler un peu les épaules et les bras. Hey, les salles de sport vont fermer. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que t'es au courant que les salles de sport vont fermer? Non, t'es pas au courant, t'as envie de jouer. C'est un truc sérieux. Les salles vont fermer. Arrête de jouer là. Ouais, tu vois, même le chat il s'en tape. Le chat il s'en fait en fou, il a pas envie d'aller à la salle. Moi, je vais finir de graille, je fais mon sac tranquillement et on va à la salle. Attends, je t'explique ce qui s'est passé. Cette vidéo, je la tourne le lendemain. Parce que hier, je suis parti à la salle tranquillement, j'ai fait ma petite séance tranquille. Je suis rentré, je me suis endormi direct. Parce que moi, je t'explique, quand je vais à la salle le matin, après je dors. Je peux plus rien faire, je dors. Et là, c'est une journée assez compliquée parce que je dois aller chercher mon colis de MyProtein. Je l'ai reçu, normalement, je vais pas le recevoir aussi vite, mais je l'ai reçu rapidement. Mais dehors, il pleut, c'est la grille et tout. Je sais pas si ça s'entend, mais attends, je te montre. Attends, regarde. C'est incroyable! Mais pourquoi il grêle comme ça? C'est... Non! C'est pas nécessaire ça! Attends, hop, je repasse bien la cam. C'est bon, c'est parfait. Alors ouais, j'étais en train de te dire que ouais, hier j'ai pas eu le temps de te faire la vidéo, j'étais trop fatigué, je me suis endormi. C'est pour ça que je te la fais aujourd'hui. Alors, ma séance a été très intense. Mes séances de maintenant là sont faites en sorte pour que je me fasse mal, pour que je récupère mon niveau perdu. Bien entendu, si tu débutes la muscu, si tu commences, cette séance, elle va te déchirer, elle va te faire très très mal. Tu peux faire 2-3 supersets, mais ne fais pas la même séance que moi si tu débutes. Premier exercice, j'ai fait un espèce de rowing couché avec les haltères en prise supination, ok? Avec superset oiseau halter. Alors le rowing va avoir tendance à travailler le dos et l'oiseau halter va avoir tendance à travailler l'arrière des épaules. Si j'ai mis du rowing dans mon programme, c'est parce que de base, je faisais que des machines libres guidées, poulies et tout, machines dos pour travailler mon dos. Je ne faisais pas beaucoup de rowing, je travaillais pas beaucoup à la barre et aux haltères, mais là, j'ai décidé de faire des choses que je ne faisais pas avant, histoire de stresser un peu mon corps, de donner des nouvelles sensations, de nouvelles habitudes afin de progresser et débloquer mon dos. À savoir, ce programme, je le faisais en 4 séries de 10 répétitions pour le rowing avec halter et de 15 répétitions pour l'oiseau halter. Oui, 15 répétitions, ça défonce après l'enchaînement. Et 1 minute 30 de repos. Tu peux prendre 2 minutes si t'es vraiment fatigué, mais 1 minute 30, c'est parfait pour moi. Mais t'inquiète pas, je te mettrai tout dans la description tranquillement, comme je le fais à chaque fois. Deuxième exercice, pareil, on a fait du rowing, mais en prise pronation cette fois-ci. Ensuite, en superset avec des élévations frontales avec haltères, toujours. Exercice assez intéressant parce que quand tu travailles le rowing,
Que tu prends en prise pronation ou en prise supination, tu n'as pas le même ressenti de travail. Certaines personnes vont plus sentir leur ruine en prise pronation, enfin vont plus sentir leur dos en prise pronation, d'autres en supination. Je sais qu'en supination, comme je l'ai fait pour le premier exercice, parfois on a tendance à prendre tout dans les bras, tu vois. Mais quand tu te places bien et quand tu sais que c'est ton dos qui travaille et pas tes bras, bah c'est ton dos qui va prendre. Il faut bien faire attention, il faut pas soulever la charge avec ses bras. C'est un contrôle en fait. C'est que tu lèves tes épaules un tout petit peu avant et après tu continues avec le bras et tu verras, ça fera la différence. Au niveau des élévations frontales avec haltères, comme je le dis souvent, beaucoup de personnes disent ça sert à rien de travailler l'avant des épaules, mais moi j'aime bien. Tu vois, on a une espèce de veine là, tu vois. Bon là on la voit pas trop, mais on a une veine là. Et cette veine là, il faut la voir, c'est important visuellement, ça, c'est un truc de ouf. Hein. Tu l'as et moi, j'aime bien l'entretenir et j'aime bien avoir un avant d'épaule développé. Pour le deuxième exercice, j'ai travaillé avec les mêmes conditions que le premier exercice, c'est-à-dire en 4 fois 10 répétitions pour le rowing et 15 répétitions sur les élévations frontales avec haltères. Troisième exercice, j'ai fait un bicep. J'ai travaillé mon développé militaire avec haltères. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait cet exercice-là avec des élévations latérales en unilatéral avec haltères. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je voulais finir mes épaules aussi dans ce programme. À savoir, ce programme-là, c'est un programme un peu allégé parce que de base, je ne devais pas aller à la salle. Je devais me reposer hier, aujourd'hui et reprendre le week-end. Mais comme j'ai appris que les salles fermaient, je me suis dit non, vas-y, on va se faire un petit programme qui va faire mal mais qui va être très rapide pour entretenir quand même le corps et pour se préparer à la fermeture potentiel des salles de sport. Après, attention, ce programme reste quand même compliqué, difficile. Si tu es débutant, tu ne peux peut-être pas y aller au bout, mais si tu es intermédiaire ou si tu veux essayer, si tu es curieux, essaye un des supersets ou le bicep que je te montre dans cette vidéo. Bref, on va revenir à cet exercice-là. Le développé militaire avec haltères à Nadjer, c'est un exercice de base pour les épaules. Très bon exercice là où tu peux vraiment prendre lourd et détruire et développer tes épaules parce que tout ce qui est élévation latérale, élévation frontale, c'est un peu plus compliqué à prendre des charges lourdes. Développé militaire, tu peux te faire plaisir à la seule condition que tu fasses bien le mouvement, que tu contrôles bien. Tant que tu n'as pas comme un bourrin, c'est bon. Ensuite, l'élévation latérale avec haltères en unilatéral, c'est vraiment très important pour isoler une partie des épaules. Parce qu'on a tendance à travailler avec les deux bras, mais quand on a un retard à rattraper, c'est intéressant de travailler en unilatéral. En revanche, moi je n'ai pas de retard à rattraper au niveau des épaules, mais j'ai quand même envie de détruire mes épaules pour avoir des bonnes grosses épaules. Comme j'ai dit, naturellement c'est compliqué à avoir des gros muscles saillants et être bien, mais on peut quand même bien se détruire, on peut quand même atteindre un bon niveau naturel. C'est pourquoi il faut s'en donner les moyens, il faut faire les choses bien. Cet exercice-là, j'ai travaillé en 4 fois 10 répétitions pour le développé militaire et 10 répétitions aussi pour les élévations latérales en unilatéral. Parce que faire 15 de chaque côté, c'était compliqué. Donc j'ai mis 10-10. Quatrième exercice, plus soft, j'ai pris une barre Z et j'ai fait mon développé militaire assis en prise supination tranquillement. 4 fois 15 répétitions. Tranquille, histoire de bien finir, de bien finaliser ma séance. Ça aussi, ça a sollicité l'avant des épaules, un peu les pecs aussi, tout dépend comment tu descends, tout dépend comment tu te places, mais c'est un bon exercice de fin. Cinquième exercice, bon là je voulais juste garder le banc, hein, parce que tu vois, j'avais un banc bien placé. Je me suis dit, on va faire un petit exercice bras tranquillement. J'ai fait du curl biceps en prise marteau avec les haltères, 4 fois 10 répétitions tranquillement. Et j'ai travaillé en unilatéral aussi. Ensuite, comme je me mets au street workout, je suis monté tranquillement. J'ai fait un peu de muscle up. J'en ai fait 3 ou 4. Je pense que j'en ai fait 3. Parce que voilà, ma séance, elle m'a mis mal. Et mon corps, il est beaucoup plus lourd qu'avant. Donc, tant que je sais encore faire des muscle up, ça va. Au maximum, c'est 23, il me semble. Mais là c'est 3. Hein. Là, tu vois, il en manque 20 encore. Mais ça va venir
tranquillement. Ensuite, pour finaliser ma séance comme il se doit, je suis parti sur la machine lombaire tranquillement. Je sais pas comment elle s'appelle, on va l'appeler machine lombaire. Et j'ai fait 4 fois 10 répétitions de lombaire machine avec un poids, histoire de bien renforcer mes lombaires, parce que lombaire c'est très important, c'est vraiment important pour le dos, que ce soit pour le sport ou pour notre vie de tous les jours. Donc j'ai bossé mes lombaires en fin de séance tranquillement. Après, t'inquiète pas, je te ferai une fiche dans les commentaires où je te mets mon programme, nombre de séries, nombre de reps, tout comme ça. Si tu veux le suivre, fais-le, dis-moi en commentaire si ça t'a fait mal, si t'as réussi à aller au bout, si t'as pas triché. C'est important, comme ça je peux voir un peu si les gens qui me suivent font les programmes et si ça leur, ça leur apporte et s'ils arrivent à me suivre. Mais en tout cas, voilà pour cette séance. Là, je te cache pas, j'ai un peu l'aine parce que j'ai fait une commande, tu vois, chez MyProtein qui est arrivée là, là. Mais le truc, c'est que les salles vont fermer lundi. Donc, ça va être compliqué de pas pouvoir aller à la salle et d'avoir les compléments. Sachant que si j'ai pris les compléments, c'est parce que j'ai repris la salle et parce que je compte m'entraîner beaucoup plus dur. Mais bon, c'est pas grave, on va s'entraîner chez les parents, dans le garage, dans la salle du temps, dans le home gym. Et voilà, on va essayer de se donner à fond avec les compléments et faire les choses bien. Donc du coup, la prochaine vidéo, ça sera peut-être mon unboxing de MyProtein, hein, pour te montrer les compléments, ce que j'ai pris, ce que j'ai choisi, pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi je suis allé chez MyProtein, enfin pourquoi j'ai commandé chez MyProtein, parce que je ne suis pas sponsor chez eux, hein. J'ai juste pris les compléments comme ça, parce qu'il y a des compléments qu'il faut prendre, que tu prends un peu partout, hein. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, sur ce, mets un like si t'as aimé, partage la vidéo, mets un commentaire. Moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.